وسميتها فورم ديال فيتامين دي 3 هي تسمى كوليكالسيفيرول. وعرفوا التسميه سي الكوليكالسيفيرول نسبه الى ماذا؟ الى الكوليسترول. بلوس الاليمونتاسيون سي كول il faut manger trop trop gras pour avoir la vitamine D. Parce que c'est une vitamine liposoluble. Il faut manger trop gras pour avoir des quantités de vitamine D. Sinon, à cette âge, vous recevez ultraviolet solaire. Deux tiers de notre vitamine D peut être synthétisé par le cholestérol de la peau. Nous avons la taïenne, nous avons la taïenne faire. Elle grappe, elle a le cholestérol à la gelée. Cool. الشمس ضرب اضرب هنا تشوف شي سي القوة تاعك هي البركة قوة الصنع ان من الكوليسترول الى او حولوا كاسكاد اون برو هرمون الكوليكالسيفيرول ونعمل لها فيتامين دي 3 هذه لا فورم ناتيف كي ناتيف تمشي للفوا بور سيبي لا 25 هيدروكسيلاسيون هيباتيك يلزم لور دو ليفر يكون ريسبكتيف لا 25 هيدروكسيلاس هيباتيك va ajouter le OH en position 25 de la vitamine D3. Juste 25 hydroxy. Je connais qu'elle s'est fait l'or, la vitamine D3. C'est le cas même. Et je connais qu'elle s'est fait l'or, oui, les 25 hydroxy. Maintenant, je compte à ton col. Je trouve calcifériol. Calcifériol pour dire 25 hydroxy vitamine D3 ou 25 hydroxy cholécalciférol. C'est le calcifériol. Et bien, il y a une forme de stock réel. Et le stockage, on stocke. Le fait que les particuliers, on stocke la féminine, on le voit, on stocke la vitamine D sous forme de 25 hydroxy qu'on va stocker. C'est la forme de stockage de la 25 hydroxy. Qui met en stock du glucogène pour quelques heures, on stocke la 25 hydroxy. Vitamine D3 et qui sera éliminée dans le sang et dans le tour dans le sang, on le fait des stocks. Oui, on va vivre au fil d'un. Pour l'attendre, le lin. Elle a ce besoin. Donc, le lin. Mouhem, le lin est pas hydroxylase. À la hasse. Chko. Le TH, la grande boucle. Le GH, l'hypocalcémie et le phosphorémie. Quand on est humain, il essaie d'interagir en synergie pour activer la 1 alpha hydroxylase. Après, il y a le pH, bien sûr. Donc, il y a qui permet d'activer la 1 alpha hydroxylase qui va ajouter quoi le 1,25 hydroxycholécalciférol, vitamine 3, et son calcifériol, la forme la plus active. Mais bon, le CF au fait chez nous, il y a des amas de calcium digestif. Il y a la végétation, sinon, maman, j'ai fait. Donc, il faut que vraiment on ait
Sinon, هذه اللي بنت هي سوف اكسبليكي لي زي بالكاتين. انا كيو هذا الكاسيتريون اكتوبيك. الى هو دوز سايبا بس هو دي دوز سبيسيال على اش بي سي. دونك ان فاي اوكسيداز اكتوبيك. تيبيك ولا سيركويتوز. كي اكي ان فاي اوكسيداز. دونك فاتساني كروسيفي ده من الدرجه العاده معاش عاد يران هو يقعد في العمليه يعتقوا السيركويتوز نعطيه تشحن. كيو هذا الكاسيتريون. Donc c'est une intoxication voire endogène. Et on prend d'être intoxiqué par la forme de la plusieurs médicaments. Rarement une erreur thérapeutique. Bien sûr, on est obligé de percasser les hasbrailles. Pour l'intoxication par la vitamine D. Allez, on est percasser. Vous avez quelque chose qui est basé dans le sang, qui filtre.
la crucifixion vive, qui est librement filtrée, et qui provient de la réponse qui subvient à des hormones qui agissent par la même voie, par voie intercyclique. Donc, lui, il connaît tout. Ou un achat, j'ai besoin de savoir la intercyclique quoi. Néphrogénie, pas une kilo à cette réponse, parce que la femme a la intercyclique néphrogénie, petit comme un pédiatre. مش كل مره اجي على خرج من البيسكلي يا بابا البيسكلي خرج من النفاق ما يتعبتيش اما في اليورين تو انا سوتي دو سكي في اليورين هو اللي تختار الجيني فوالا اي دون اون في انا جي بيزون دو لا بيسكلي في الجيني جو دو با سافا جو دو كلا في اني جو في جو دو سكرين نحي من الفيتري هي سانين او دي بي من الفيتري دونك لي دوزا لا بيسكلي On ne danse pas, on a dit qu'on a calculé. Tu n'as pas de bilirubine, on ne peut pas calculer la bilirubine en direct. Mais tu peux en juger. Donc vous avez une anticyclique glyphogénique qui permet de juger de la réponse tubulaire à la PDH, qui cela permet de faire le diagnostic étiologique de ce qu'on appelle les pseudo-hypoparas, les hypoparas cathébines. Les pseudo-hypoparas, l'indication c'est de faire le test à la PTH exogène. Elle est l'indication claire. Sinon, vous pouvez charger ce genre de nom. Voilà, je vois que là, voilà. Mais, donc, elle dit, sinon la calcémie et la diabète à vivre, un peu dans les gaz, avec une hormone calcémie, je vais aller avec les gaz aussi. Bon, on a des calcémies. On essaie d'explorer un peu la calcémie. Voir pourquoi ils éliminent, ils ont beaucoup de calcium dans les urines. Donc, comment, à peine à plus, on a un peu qui peut l'éliminer, il y a une hypercalcémie. Mais même la calcémie, elle est normale. Donc, une femme à peine de 40, elle a plus une hyperabsorption digestive. Donc, il y aura une hypercalcémie. Parce que dès qu'il y a la résultante, le calcium qui sera éliminé, il traitera toujours de ce qu'on a absorbé. Le repos digestif. Donc, il y a un peu d'utilité de la calcémie. Mais attends, pour la calcémie, pour le dosage, tu fais attention, parce que l'axe insulinique, comme je vous dis, dans le calcium composé dans les urines, il faut acidifier les urines. Sinon, vous risquez de ne pas attraper le calcium. Vous êtes calme. Maintenant, je pose une autre question. La urine, l'axe, les résultats d'alcalinisation des urines, je calme, les stocurales. C'est un peu le contraire, un peu l'exploration de la calcémie et de la calcémie.